yoga du sommeil. Le yoga nidra permet d'atteindre des états de relaxation profonds et très ressourçants. C'est un voyage intérieur entre les états de rêve et de méditation. Pour vous préparer à recevoir cette pratique sans effort, il suffit de vous allonger le plus confortablement possible et de vous laisser guider. Je profite de cet épisode pour vous faire passer une annonce spéciale. J'organise une retraite de yoga au Maroc du 7 au 14 mai prochain. Rendez-vous sur atelierlacanopée.com dans l'onglet retraite pour découvrir tous les détails. Pour m'aider à produire plus d'épisodes de manière indépendante, je vous donne rendez-vous sur patreon.com/atelierlacanopée. Vous pourrez participer au financement du podcast en profitant de contenus exclusifs. Un immense merci. Et maintenant, bienvenue en vous-même et bonne séance. Bonjour et bienvenue dans cette séance de yoga nidra anti-blues et qui réchauffe les cœurs. Je vous invite à trouver un endroit calme où vous pouvez si possible vous allonger confortablement, vous recouvrir d'une couverture, peut-être mettre un oreiller sous la tête, informer éventuellement votre entourage de ce temps de calme pour vous. Et à vous laisser guider. Je vous invite à prendre 2-3 respirations profondes pour commencer cette pratique. Deux, trois respirations profondes en invitant tout le corps et l'esprit à se détendre et se relâcher. Je vous invite à présent à prendre conscience de tous les sons qui vous entourent, les sons provenant de l'espace dans lequel vous vous trouvez et les sons provenant de l'extérieur par rapport à cet espace. Je vous invite à imaginer, à visualiser la pièce, l'espace dans lequel vous vous trouvez. À en imaginer les contours, les couleurs, et à vous imaginer dans cet espace, vous visualiser dans cet espace pour ce temps de repos. Je vous invite à présent à relâcher tous les muscles et toutes les articulations de votre corps. Notamment à relâcher les jambes complètement, les bras, les épaules, à relâcher le ventre, la poitrine, la nuque et tous les muscles du visage. Je vous propose maintenant de porter l'attention sur votre respiration. Et dans un premier temps, de simplement pouvoir observer cette respiration qui se fait d'elle-même, d'observer comme le corps respire de lui-même, sans que vous n'ayez besoin d'y penser. À chaque instant, votre corps respire pour vous oxygéner, pour vous nourrir. À chaque instant, la respiration se fait d'elle-même et vous pouvez observer l'air qui rentre et sort par les narines librement. Et maintenant,
je vous invite à compter 5 temps pour l'inspiration et 5 temps pour l'expiration. C'est-à-dire à inspirer sur 1, 2, 3, 4, 5, à expirer sur 5, 4, 3, 2, 1, et à continuer ainsi. Inspirez 1, 2, 3, 4, 5, expirez 5, 4, 3, 2, 1. Continuez à votre rythme. L'inspiration sur 5 temps. L'expiration sur 5 temps. Une respiration douce et régulière. Une respiration douce, régulière, tranquille. Encore un peu. Laissez filer la respiration. Cette respiration sur 5 temps, appelée cohérence cardiaque. Je vous propose maintenant de placer l'attention sur la région de la poitrine et d'observer ou peut-être de ressentir votre cœur qui bat sous la poitrine. D'imaginer, de ressentir, de visualiser les battements du cœur. Ce cœur qui lui aussi à chaque instant bat pour vous. Pulsation de vie à l'intérieur de la poitrine. Et alors que ce cœur bat toujours, comme à chaque instant, je vous invite à vous souvenir d'un endroit que vous aimez particulièrement, un endroit que vous appréciez, où vous vous sentez bien. Je vous invite à visualiser toutes les couleurs, à ressentir les sons, les odeurs. À peut-être ramener le souvenir d'un moment particulier au sein de cet espace. Une personne avec qui vous étiez, plusieurs personnes, des animaux peut-être. Quel temps faisait-il ? Ou dans ce souvenir, quel temps fait-il ? Je vous invite à prendre le temps de ramener tous ces souvenirs et tous les ressentis qui vont avec, d'un endroit que vous appréciez particulièrement, que vous aimez et où vous vous sentez bien. Comment est-ce que c'est dans le corps d'accueillir ce souvenir de cet endroit aimé, de ce moment particulier peut-être, passé dans cet endroit? Comment est-ce que vous vous sentez dans le corps à l'évocation de ce souvenir, de cet endroit? Gardez maintenant la sensation, peut-être. Je vous propose maintenant de laisser filer le souvenir et de visualiser une petite étoile bleue sur le pouce de la main droite. Une petite étoile bleue sur l'index droit.
une sur le majeur droit, une petite étoile bleue sur l'annulaire droit et une sur l'auriculaire droit. Imaginez une petite étoile bleue, déposez une petite étoile bleue sur la paume de la main droite, sur le poignet droit, l'avant-bras droit, le coude droit, le haut du bras droit, l'épaule droite, une étoile bleue sur l'épaule droite et une sur le pli du bras droit. Déposez une étoile bleue, visualisez une petite étoile bleue qui brille sur le côté droit de la poitrine. Une étoile bleue qui brille sur la hanche droite, une sur la cuisse droite, une sur le genou droit. Une étoile bleue qui brille sur le mollet droit, la cheville droite, le talon droit. Une étoile bleue sur la plante du pied droit. Et 5 petites étoiles sur les orteils du pied droit, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième orteil et le cinquième orteil. Visualisez maintenant une petite étoile bleue sur le pouce de la main gauche. Le pouce de la main gauche. Une étoile bleue sur l'index gauche. Une étoile bleue sur le majeur gauche. Une sur l'annulaire gauche et une sur l'auriculaire gauche. Une étoile bleue sur la paume de la main gauche. Une étoile bleue qui brille et illumine le poignet gauche, l'avant-bras gauche, le coude gauche, une étoile bleue qui brille sur le haut du bras gauche, une sur l'épaule gauche, le pli du bras gauche. Je vous invite à visualiser, à imaginer une petite étoile bleue qui repose sur le côté gauche de la poitrine. Le côté gauche de la poitrine, là où se trouve le cœur, une étoile bleue un peu plus bas sur la hanche gauche, une sur la cuisse gauche, genou gauche, mollet gauche, cheville gauche, une étoile bleue sur le talon gauche, une étoile bleue sur la plante du pied gauche et 5 petites étoiles bleues sur les 5 orteils du pied gauche, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil et le quatrième et cinquième orteil gauche. Je vous invite à présent à visualiser toutes ces petites étoiles bleues qui brillent sur votre corps. Votre corps entier parsemé d'étoiles bleues qui scintillent et brillent. Et maintenant à visualiser toutes les parties entre ces étoiles, toutes ces parties non citées jusqu'à présent, et à laisser la lumière de ces petites étoiles bleues illuminer tout le corps, les parties citées et toutes celles autour. Je vous invite à laisser la vibration de ces petites étoiles bleues briller dans tout le corps, illuminer tout votre corps d'une légère teinte bleutée, douce. Alors que le corps respire de lui-même, sans que vous n'ayez besoin d'y penser à chaque instant et pour vous. Je vous propose de nouveau à compter 5 temps pour l'inspiration et 5 temps pour l'expiration. Je vous propose d'inspirer sur 1, 2, 3, 4, 5 et
d'expirer sur 5, 4, 3, 2, 1 et ainsi de suite. Une respiration douce, calme, régulière. 5 temps à l'inspiration, 5 temps à l'expiration. Encore un peu. Et à votre rythme, reprenez une respiration naturelle. Laissez filer le décompte. Je vous invite à ramener le souvenir d'un endroit aimé, de cet endroit aimé que vous appréciez particulièrement et où vous vous sentez bien. Avec ses couleurs, ses sons, ses odeurs et tous les ressentis qui vont avec. Prenez le temps de vous attarder sur chaque détail de cet endroit. Et si c'est un souvenir précis, de vous souvenir d'une ou de plusieurs personnes qui pourraient se trouver avec, d'un animal, de la présence d'un animal. Du temps qu'il faisait ou qu'il fait. Je vous invite à laisser votre corps tout entier, votre esprit tout entier s'imprégner de ce souvenir, de cet endroit aimé et où vous vous sentez bien. À ressentir comment vous vous sentez dans le cœur et dans le corps. À l'évocation de ce souvenir, de cet endroit aimé. Je vous invite à garder ces sensations bien en vous et à présent, je vous propose de laisser résonner en vous les affirmations suivantes, d'observer l'écho des affirmations suivantes. Tout ce que vous désirez se trouve déjà là, en vous. Tout ce que vous désirez se trouve déjà là, en vous. Aujourd'hui, vous êtes complète, complet. Aujourd'hui, vous êtes complète, complet. Vous êtes assez tel que vous êtes. Vous êtes assez tel que vous êtes. Vous êtes aimé. Vous êtes aimé. Et enfin, vous êtes capable d'aimer. Vous êtes capable d'amour et d'aimer. Alors que votre cœur bat toujours pour vous en cet instant, je vous invite peut-être à en ressentir les battements, les pulsations,
ou bien à imaginer, à visualiser ce cœur qui bat pour vous, ces battements du cœur. Je vous invite à visualiser l'espace dans lequel vous vous trouvez. À entendre les sons, les potentiels sons à l'intérieur de cet espace et autour, à l'extérieur. À accueillir tous vos ressentis, tels qu'ils sont et quels qu'ils soient. À observer l'état de détente du corps et de l'esprit en cet instant. Tel qu'il est, quel qu'il soit, à votre rythme, je vous inviterai à faire des étirements, à laisser sortir les sons, les bâillements, les soupirs, tout ce qui a besoin de sortir. Puis à retourner à votre journée, à votre rythme. En prenant le temps d'une transition et peut-être d'une assise stable. Un grand merci pour votre écoute et votre pratique aujourd'hui. À bientôt. Namasté. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous plaît, continuez à le partager autour de vous et mettez-lui des étoiles et des commentaires sur votre application. Je profite de cet épisode pour vous faire passer une annonce spéciale. J'organise une retraite de yoga au Maroc du 7 au 14 mai prochain. Ce sera l'occasion de se rencontrer et de faire connaissance. Il y aura des pratiques de Nidra et d'autres pratiques pour se faire du bien au corps et à l'esprit. Rendez-vous sur atelierlacanopée.com dans l'onglet retraite pour découvrir tous les détails. Et si vous souhaitez contribuer au podcast et à la production de nouveaux épisodes régulièrement, je vous donne rendez-vous sur patreon.com/atelierlacanopée. patreon.com/atelierlacanopée. Merci et à très bientôt.